Les amis, est-ce que vous connaissez l'histoire tragique de Jenna? Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle story dans Roblox nommée Jenna Story. Et bien entendu, ici Fear Jumper en compagnie comme d'habitude de Overspace. Comment ça va l'ami? Allez là, ça va et toi? Je suis écoute... fan de Jean-Eude au carré. Ouais, je l'avais pas eu. Oula, bonjour monsieur, très beau pull Roblox, magnifique, très bien. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle story Roblox tellement connue qu'on était obligés en tant que fan, bien entendu, d'y aller. Oh, direction le bus. Étrangement, tiens, il y a un bus. Madame, bonjour, on voudrait rentrer, madame la chauffeuse de bus, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous laisser? Non, vous avez un laisser passer. Non, c'est... Est-ce que c'est normal? Bien plus commode. Qu'est-ce qui... Ah, c'est bon. Oh, je me sens coincé. Oh, je me sens coincé. Alors attends, on n'est pas dans le bus, on va marcher à côté du bus, c'est ça le nouveau concept? Oh, on est dans un bus. Ça y est. Oh, ok, bon, très bien. On est toutes fortes, ça va, on est bien. C'est moi ou le chauffeur a changé? Ah oui, c'est plus une chauffeuse, c'est un chauffeur. Je préférais la jolie dame d'avant. Ouais, ouais, il a une chouette d'ailleurs sur l'épaule, hein, tu fais gaffe. C'est Edith. C'est un sorcier, Harry. Oh. Alors, objectif, aller à l'école, c'est ça? Je crois. Oh, bonjour tout le monde. Ah, qu'est-ce que... Je suis votre remplaçant de chauffeur de bus. J'ai eu ma licence aujourd'hui. Alors, surtout, restez bien accrochés à vos sièges. Ma GPS me donne une mauvaise direction, c'est bizarre ça. Ouais, c'est bizarre ça, ouais. Pourquoi il fait tout noir là? On est dans un tunnel. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok. Mais vous êtes le chauffeur de bus et vous ne connaissez même pas la route sans GPS? Ouais, c'est clair, ouais. Par contre, c'est normal les feuilles qui passent dans le bus sur toi. Écoute-moi bien, baby panda. J'ai foncé dans le tas, d'accord? Le GPS dit qu'on devrait arriver dans le tas. Il a vraiment dit ça, je vais foncer dans le tas. Ah non, I'm new, cut me some slack, c'est genre, sois gentil avec moi. D'accord, ok, très bien. Ouais, je suis débutant, sois sympa. Oh, une appel de Minecraft. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attention, c'est une appel. Attends, quoi? C'est l'appel qui a causé l'accident. Ouais, par contre, on a été heurté là. Ah, c'était une abeille. Qu'est-ce qui a se passé? Ah, elle est là, c'est elle la coupable. Reviens. Un pique pas? Non, c'est bon. Oh, désolé, mais j'ai vraiment peur des abeilles, j'ai trop peur! Je les déteste! Ah, c'est pour ça qu'il a. Il a décalé dans la pelouse. Bon, bah, y'a plus qu'à faire d'autostop, mais comment une abeille de Minecraft a pu. A-t-elle pu nous envoyer dans. J'ai oublié de charger mon smartphone. Ah, comme par hasard, du coup, on va être coincé sur la route. Bon, bah. Y'a un panneau rouge en face. Alors, j'aimerais bien faire de l'autostop, mais je n'ai pas de pouce. Je n'ai pas de vraie main. Mais comment on peut oublier de charger son téléphone avant de travailler? Mais ouais, grave! Ne ressassons pas le passé, d'accord? On a besoin de savoir ce qu'il y a à côté de nous. Ok, très bien. Objectif, trouver de l'aide. Oh, ici marqué, il y a un panneau avec marqué propriété privée. On y va. Oh. C'est toujours... Oh, regarde, c'est marqué, t'as vu jouer. Oh, je viens de voir. Un panneau marqué ne traversez pas. Quoi? Ah. Il ne faut pas y aller. Ah. Hey, tout le monde. On va peut-être pouvoir trouver quelqu'un dans ces bois, non? Quelqu'un qui est de l'autre côté de la route. Traversez, mais fais le gaffe, hein. Ouais, très bien. Ok, bon, on reste ensemble. Ouais, bravo Youssef, tu es vraiment trop fort. Je m'appellerai ta chaîne YouTube. C'est une armée d'abeilles qui est en face là. Bonsoir. C'est alors, quoi ça? De réactiver le mode high dans Quality Mode, moi ça marchait pas. Ah ouais, bien joué. Oh oui, on voit mieux. Oh oui. Heureusement qu'il a... Oh, les abeilles ça picote. Sautez, sautez. Non mais là, ça pique pas, c'est des taureaux. C'est des Formule 1 truc. C'est l'abeille Schumacher, tu la connais pas celle-là? Ok, très bien. Verstappen. Okay. Oh. Ça a l'air d'être un manoir abandonné quand même, non? Enfin, manoir, oui, j'avoue. C'est, ou un c'est gros quoi? Pourquoi il pleut ici, pas de l'autre côté? Il y a un dôme de protection, je sais pas. Ou alors c'est une. Le chauffage, il est trop chaud, ça fait évaporer l'eau. Bon, tout le monde a réussi à passer, c'est bon! Très bien! Vous inquiétez pas, on a l'expérience avec le camping. Est-ce que tout le monde a réussi à traverser? Laisse-moi compter d'abord, vu le nez, la gueule, très bien. Ça a l'air d'être vraiment abandonné là-dedans. C'est vraiment le pire chauffeur de bus que j'ai jamais rencontré! Il y a une voiture abandonnée derrière. Ok? Merci. On va essayer de trouver le moyen de rentrer à l'intérieur de la maison. T'as vu derrière, c'est trop bizarre. Il y a un petit camping, tout ça. Les campings en général dans les Roblox, hein. Il y a peut-être une clé dans les poubelles. Ah oui, pas bête. Oh. Moi plus toi égale que. Ah oh. On a trouvé un bras dans la terre, enterré. Ah, c'est de la terre, j'ai eu peur. Oui, c'est de la terre. Ah, oh, c'était où? Oh, il l'a trouvé là-bas. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ça sent pas bon.
Ça sent pas bon du tout. Non non, vu la couleur, ça sent pas bon. J'ai vu quelqu'un, mais c'était quelqu'un d'autre de l'autre côté à travers la vitre. Il faut vraiment qu'on trouve un moyen de rentrer dans cette maison. Peut-être dans les poubelles. Alors qui a autant de poubelles derrière chez lui? Je ne pense pas qu'il y ait une autre façon que par la porte d'entrée. Ouais, c'est clair, bah c'est vachement haut en tout cas le toit. Hein. Fouillez les poubelles. Ouais. La porte est verrouillée. Est-ce que quelqu'un a trouvé une clé? Non, pas pour l'instant en tout cas. Je n'ai pas trouvé de clé. Écoutez donc ce que dit Furious. Fouillez dans les poubelles. Voilà, c'est marqué. Mais peut-être qu'il y a peut-être que la clé a été jetée dans les poubelles. Bah ouais, j'arrête pas de le dire. Écoutez-moi, bon sang. Alors je fouille. Ok, moi aussi. J'ai rien trouvé. Rien trouvé du tout. On va fouiller. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un burger. Quel être humain n'aurait pu faire ça? Fouille là-dedans. Oh, j'ai trouvé la clé. Mais tu es beaucoup trop fort. Allez, viens, venez avec moi. Je le savais. Ok, bon. Vous êtes prêts à rentrer dans le manoir de l'horreur? Oh. Bien joué, Fuel Jumper. J'étais sûr que tu pouvais le faire. Ouais, bah, par contre, quelqu'un du savon. Quelqu'un du savon. Merci. Est-ce qu'il t'a fait un compliment? Il t'a dit que t'étais doué pour fouiller les poubelles. Merci. Merci. Bon, allez, vite, tout le monde à l'intérieur. J'ai un peu peur de rester à l'extérieur, moi. Oh, désolé, mais j'ai pas trouvé le moyen de comment savoir utiliser une clé. Non, mais il est sérieux? Comment t'as fait pour démarrer ton bus? Alors, il suffit de rentrer la clé, de l'insérer dans la fente et de tourner. Oh, mais donnez-moi ça. Voilà. Oh, regardez, il vient de le faire. Oui, regarde, oh, mais bien ça. Voilà, c'est bon, c'est ouvert. C'est pas la Ok, objectif. Quoi? Attends, comment ça, quoi? Ouais, faut attendre. D'accord. Bon. Sinon, ça va? C'est la pelouse. Qu'est-ce qu'on entend? Ah non, c'est rien. Tu m'as fait trop peur, mec. Ok, ça tourne, ça tourne. Ah, il est en train d'ouvrir la porte. Non, mais c'est un galérien. Mais dépêche-toi. Mais horrible. Heureusement qu'il n'y a pas de musique. C'est qui? Est-ce que ça serait la fameuse Jenna? N'observez. J'ai l'impression que quelqu'un nous regarde. Elle est plus là? J'ai vu personne. Oh, mais je l'ai tourné à l'envers. Quel idiot je fais. Il est en train de fermer la porte. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est des creepers ou quoi? Ouais, t'as vu ses jambes? Oula. Oh, ouvre la porte. Ouvre la porte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces clones? Votre objectif est de survivre. Oh, ça arrive. Attention. Oh, oh, cours, cours. Oh la vache. Mais il faut rentrer dans la maison. Oh, c'est bon. Vite. Oh, c'est bon. Rentre pas, c'est pas rentré. Vite, dépêchez-vous de rentrer. Oh là 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 là. C'est horrible. Très bien. Oh, c'est un dépotoir. Je ferme la porte. Ferme la porte. Ok, il y a une cave. Ah ouais? Elles sont encore en bas, je les vois. Oh non, il y a des morts. Oh! Ok, viens de désintégrer. Ok. Un espace, c'est étrange ici. Hein. Ouais, il y a des chiottes. Quelqu'un a défoncé les toilettes. Quelqu'un a défoncé les chiottes. Tu es vraiment le recordman du cerveau le plus petit du monde. Il a un cerveau d'huître. Cuit d'huître. Waouh, je n'ai pas le mot à quel point tu viens de m'insulter. C'est très vexant. C'est très vexant. Oh, il y a une clé ici! C'est pas vrai. Il y a une clé dans quoi, Overspace? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je ne peux pas m'empêcher de... D'aider les personnes! Je pensais qu'il manque quelqu'un. Ouais. Okay. Oh, bon, très bien. Il est temps de voir quelqu'un dans la maison. Il y a un bunker sous la maison. T'es sérieux? Je te jure que oui. Et c'est la clé pour l'ouvrir, peut-être? Oh, j'ai trouvé une clé! Ça a marché? C'est peut-être pour aller de l'autre côté. Mais on peut pas y aller pour l'instant. Mais tu vois, il y a un bunker là-bas, il y a une trappe. Malédiction, les cartons bloquent le chemin. J'ai une clé, hein, si vous voulez. Ah, c'est ça, tu vois. Il y a des boîtes dans la cave. On ne peut pas les bouger. Il y a une chambre, il y a des chambres là-haut. Ouais, j'ai vu qu'il y a des chambres, ouais. Ok, j'ai trouvé deux dors, donc deux portes en haut d'escalier. Ah, mais elles sont toutes les deux verrouillées. J'ai une clé. Mais c'est peut-être les clés pour démarrer la voiture. Bah, on va démarrer les portes alors. Ouais, j'ai trouvé la clé. C'est bon. On peut ouvrir la porte. A trouvé la clé. Ah, peut-être qu'il y a peut-être la porte est verrouillée, peut-être non, faudrait peut-être mieux se verrouiller la porte avant de dormir. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, ouais. Les gars. Quoi? Les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Je sens pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais non, mais sérieux. Oh mais non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai une mauvaise nouvelle. Ah. Non, il a dit j'ai une mauvaise nouvelle.
J'ai perdu mon téléphone quelque part dans le bus. Mais on s'en fout, il y avait plus de batterie sur ton tel. Mais quoi? On est condamné à jamais. Et tu veux qu'on fasse quoi? Ah, c'est clair. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ok, bon. Oh, j'ai besoin que quelqu'un sacrifie pour aller récupérer mon téléphone dans le bus. Non mais n'importe quoi. T'as vu qu'on est surveillé, il y a une caméra? Où ça? Ah oui, il y en a plusieurs même. Attends, tu veux vraiment qu'il y a d'autres étudiants qui prennent des risques, des élèves? Pour corriger tes erreurs? C'est le seul moyen si on veut pouvoir conduire le bus ou trouver quelqu'un. Vous aider à sortir d'ici. Je suis le seul à pouvoir conduire, je dois rester en vie. Mais tais-toi donc! Mais tais-toi donc, donne-nous le volant! Ah oui, mais en plus, c'est ce qu'elle vient de dire. Mais tais-toi, mais ferme là! Ok, bon. Celui qui veut le faire, ferme la porte et Ah, mais. Oh. Ah non, moi je veux pas. Moi j'ai une clé. Je suis désolé, j'ai une clé. Je crois que c'est Léo. Je ne peux pas la lâcher. Ok. On tire tout de cell phone. Qui veut se sacrifier pour y aller? Ah! Ah, y'a pas grand monde qui a l'air chaud. Ah si! Léo! Oh, mais c'est ça, c'est le mec cool! Fais attention à toi, Léo! Merci, Léo, le cool guy, 278. On a besoin de plus d'étudiants comme toi. Bonne Allez, chance. Allez, bon courage dehors. Ah, t'inquiète. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, on en fait les vite. Bon, attends, ça roule. On va y arriver, quoi. On va le regarder. Ok, il a 60 secondes pour retrouver le téléphone. Oh mon dieu. Léo! Je vais aller voir en bas, peut-être qu'on verra mieux. Oh oui, on le voit. C'est pas facile. Je le vois, je le vois, regardez, il est là-bas. Ok. Vas-y Léo. C'est bon, 42 secondes. You can do it, my friend. Tu peux le faire, tu peux le faire. Tiens, on le Allez, voit là-bas. Oh, il y a l'armée de clones de filles là qui revient. C'est Jenna. Bah je pense que c'est Jenna à mon avis, hein, oui. On fait diversion. C'est bien, c'est bien. Ouais, mais faut pas la mettre devant la porte. Sinon Léo, il pourra jamais rentrer. Il arrive, il est poursuivi de ouf. Oh non, il est mort. Il est mort. Je l'ai vu mourir. Je l'ai vu mourir. On peut pas y aller à sa place. Il est mort. On n'aura pas le téléphone. Non. On n'aura pas le téléphone. Je devine que Léo n'a pas été assez rapide. Même si vous rendez pas compte, quelqu'un est mort. Oh non, c'est pas. Bon. Ok. Ok, il faut qu'on trouve une autre solution. Vérifions si ces chambres nous donneront quelque chose. Cherche le basement. Ah bon, il faut fouiller la cave, d'accord, très bien. Mais j'ai trouvé la clé. Ah mais faut fouiller dans les boîtes. Ah il faut ouvrir les boîtes, il faut peut-être les péter d'ailleurs. Oh, c'est long. Ouf, elles sont lourdes ces boîtes, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des pierres, des tonnes de cailloux. Je suis un fan de cailloux. Oh bien joué. Ok bien joué, direction. Mais... Pardon, excusez-nous, nous on est pressés hein. J'ai une clé, regardez, j'ai une clé. Mec il va dire ça jusqu'à la fin. Ok, bah alors. Mais c'est quoi ça? T'as vu, on dirait vraiment un bunker hein. Mais ouais, c'est une porte blindée de coffre. À l'envers. Ok, très bien. Ah, va falloir fouiller dans tous les cartons. Oh ouais, c'est ça. Je fouille dans les cartons. Ah, moi aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans ces cartons? Allez. Oh, une carte Pokémon super rare. Okay, non, on en a pas. C'est sérieux. Je dis, on en aura pas vraiment besoin. Oh, il a trouvé la clé de la chambre numéro 1. Et moi, c'est quoi que j'ai trouvé en fait? Bah, je pense que c'est la clé du mini-frigo. Du mini-frigo. Pour pouvoir manger. Pour manger les hot dogs et les pizzas comme dans toutes les stories. Ok, c'est bon. Il faut trouver la chambre numéro 1. Bah, c'est bon, elle est à l'étage, donc. Je suis dessus. J'ouvre. Voilà, c'est bon. Super. Oh là, bah, tu vas kiffer les lits. Oh. Ah, l'état oui. de la chambre. Mais c'est abandonné. Mais pourquoi il y a des caméras? On dirait que c'est une expérience qui a été faite ici. Mm-hmm. Quelqu'un a trouvé un bouquin. Il a trouvé une note. Oh là là, mais poussez sommier, là. Les amis, je pense que vous allez vouloir jeter un œil à ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur cette note? Qu'est-ce que tu as trouvé? Eh bien, on dirait le journal de quelqu'un qui a noté des informations ici. Ah ah! Ce serait pas Jenna par hasard? Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine. Attends, alors, c'est pas la bonne page. Il dit. Oh! Timmy n'est pas revenu d'école depuis plusieurs jours maintenant. Je commence à m'inquiéter. J'espère qu'il va bien. Jour 2. Un de ses amis m'a dit que la dernière fois qu'il a vu Timmy, c'était avec cette nouvelle fille qui est en échange scolaire. J'ai besoin de savoir qui c'était. Peut-être qu'elle sait davantage de choses. Oh. Ah, Jenna? Je pense que c'est elle. Jour numéro 3. Ben, j'ai clair, non, pardon. J'ai trouvé son nom, elle s'appelle Jenna. J'en étais sûr. Je vais essayer de l'approcher, mais quelque chose me fait peur chez elle. Peut-être qu'elle est responsable de sa disparition. C'est possible? Elle est bizarre, hein? Sorcière! Entrée numéro 4. Je vais la suivre jusqu'à chez elle depuis la sortie de l'école. Quelque chose au fond de mes tripes. Me dit que... Quelque chose de pas normal. Quelque chose, mais je pourrais avoir des problèmes. Il pourrait avoir des problèmes. Faut trouver Timmy. Timmy. Il y avait... Je n'ai pas pu trouver Timmy.
J'ai été regardé partout. Je pense que Jenna est suspicieuse envers moi. Je vais me cacher dans cette chambre vide en attendant qu'elle revienne de chez elle. Oh, tu crois que c'est sur sa maison pas encore... oh, je crois qu'on est chez Jenna. Wow. C'est Jenna de Timmy. Tu crois que ses parents ou tu crois que c'était genre un truc scientifique avec toutes ses caméras. Jenna est toujours ici. Je peux entendre ses pas et les portes se fermer. Mais ensuite, quand j'entends ses pas après, qu'est-ce qu'il y a tata? Ah, il l'a trouvé. J'ai peur. Mais non, ça va aller. Ok, le reste des pages ont été... Ah, ont été déchirés. Ont été déchirés, ouais. Tu penses que c'est la fille à l'extérieur qu'on a vue qui se nomme Jenna? Ouais, c'est sûr, même, ouais. Ah, bravo, monsieur perspicace. Ouais, grave. Ok. Certainement. Il y en avait tellement. J'avoue, ça, c'est bizarre. Ouais, grave. Pourquoi il y en avait tellement? Des clones? Peut-être qu'ils ont fait des expériences sur elle. Il y a peut-être un laboratoire sous cette porte. Je ne sais pas. Oh, t'as entendu? Oh la vache, j'ai cru que c'était en vrai, mec. Ouais, moi aussi, j'ai trop eu peur. Oh. Quelqu'un frappe à la porte. Ça doit être l'autre porte, la chambre. Oh, j'ai eu tellement peur, mais j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui frappait, vraiment. Oh là 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 là, moi aussi. Mais c'est bizarre, pourtant la porte est fermée. Je crois que quelqu'un a verrouillé le propriétaire à l'intérieur de cette pièce. Peut-être que c'est... Je crois que c'est soit Timmy, soit le mec qui a écrit les livres. Enfin, la note. Pas. Il faut trouver d'où vient ce son. Alors, de la pièce 2. On peut ouvrir, c'est bon, j'ouvre. Ok, vas-y. Bonjour. Oh, c'est quoi, c'est lui? Il y a une note. Faut la prendre. Vite. Allez. Yes. Bien joué. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué sur cette note? Des raviolis, une boîte de fromage. C'est une liste de courses. Oh, j'ai trouvé l'autre moitié du journal du frère de Timmy. Oh. Tout mon reste à l'intérieur, c'est très important. D'accord. Lui, il aime bien intervenir. Voilà ce qu'il raconte. Vas-y, dis-le. Oh. Entrée numéro 7. La porte s'est fermée, mec. Quoi qu'il en soit, j'ai pu me cacher. J'ai dû laisser la moitié de mon journal dans l'autre chambre, au cas où elle me trouve. Bien sûr. Je vais essayer de me cacher ici. Et de m'enfuir de cette maison maudite le plus tôt possible. Jour 8. Entends les corps. Le bruit des pas est devenu beaucoup plus consistant au fur et à mesure des jours. Je suis persuadé que c'est Jenna. Elle doit travailler avec quelqu'un. Ah! Elle est pas toute seule! Bah oui, bah c'était sûr! Jour 9. J'ai pu m'introduire dans la cave. Et j'ai pu aller jusqu'à l'entrée secrète derrière les boîtes de déchets. Jour 10. Il a trouvé. J'ai trouvé une trappe de métal. Oh, c'est la seule qu'on a vue dans la cave! Une entrée secrète ou quelque chose comme ça. Je vais devoir aller explorer. Je vais peut-être enfin trouver Timmy. Oh, il y a été! Jour 11. Alors que j'explorais la zone, je suis tombé dans un labyrinthe. Derrière ces boîtes. Mon instinct me dit de ne pas y aller. Mais il faut que je retrouve Timmy. Ok. L'autre voie devait être une sortie. Lorsque je m'échapperai, je bloquerai le chemin. J'aurais besoin de bloquer le passage. Ah, c'est lui qui avait bloqué le passage! Ouais, c'est lui qui a empilé les cartons pour que personne ne sorte et le suive! Je vais laisser ces pages ici au cas où quelqu'un les trouve. Oh là là, c'est chaud! J'ai déjà trouvé Timmy, mais j'ai besoin de me sauver moi-même, si je peux encore. Bon courage! Oh là là! Tu penses qu'on va le trouver? D'ailleurs, on n'a pas son nom à cette personne-là. Non, non, non. Voilà où tout s'arrête, les amis. Oh là là! Donc il faut absolument qu'on trouve le moyen d'y aller. Hein. Mais bon, je pense que c'est. Je le répète, j'ai une clé. C'est la clé de la voiture dehors rouillée, tu sais, qu'on voit là-bas, là, d'ailleurs. On a tous beaucoup trop peur. Ouais, mais bon. Peut-être qu'on trouve le moyen de s'échapper aussi d'ici. Peut-être que c'est un moyen de s'échapper. Par contre, tu m'expliques pourquoi le pilote, il est pas avec nous, là? Ouais, c'est bizarre. On devrait plutôt se reposer, hein. What? C'est quoi cette armée? Il y a tellement de Jenna autour de la maison. What? Elles essayent de grimper, elles font la courte échelle. Vite. Il faut trouver le moyen. Faut qu'on rentre dans le truc. Faut qu'on rentre dans la cave. J'ai la clé. Vite, dépêchez-vous. Ouvre-nous. C'est bon, j'ouvre. Yes. Ça veut pas s'ouvrir. Attendez, laissez-moi faire, j'essaye. C'est bon. Allez, essayez. Allez. Ah, oh, c'est verrouillé, c'est bloqué. Oh. Essayez, continuez. Allez. Elles ont ouvert les portes. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est quoi cette trappe? Waouh! Vite, Tatiana arrive! Il y a des squelettes, mec! Votre objectif, mourir! Ah, qu'est-ce que c'est? Y'a que des affiches d'enfants disparus! C'est pas Timmy? Ah non, y'en a plusieurs!
Si vous trouvez cette personne, contactez les autorités. Ok, je pense qu'elle ne nous a pas suivis. Si elles n'ont pas su escalader, on est en sécurité. Waouh. Oh, c'est quoi cette plaque d'égout énorme là? Le journal parlait d'un labyrinthe et d'une sortie. Mais on dirait que la sortie est bloquée par quelque chose. Je ne peux pas le bouger avec les mains nues. Pourquoi il y a de la... Oh non. Ok, on bon. On est passé par le labyrinthe. Il y a un tas de cartons ici, regarde, Overspace. Oh, c'est peut-être lui qui a bloqué le passage. Regarde, il y a une labyrinthe, il a... Oh oh. Ok, bon, faut se calmer, calmez-vous. Okay. On va s'asseoir ici, on va réfléchir, non? Oh, on risque de mourir de faim si on reste là, on doit bouger. Il a raison. Un squelette. Il commence à avoir le vent qui gargouille. Tu as l'air délicieux, Overspace. Est-ce qu'on peut arrêter de se disputer? Il faut absolument qu'on trouve la sortie. On n'a pas le choix, le labyrinthe, c'est la seule issue, mec. Hein. Ok. Bon, ouais, faites-vous un chemin à travers le labyrinthe. Ah, et lui, il veut rester là au cube. Vas-y, on part sans toi, mec. T'es dans le labyrinthe? Je suis dans le labyrinthe. Oh, il y a des squelettes. Il y a eu des gens qui sont perdus. Ils sont morts de faim dans ce labyrinthe, Overspace. Ok, moi je vais tout le temps à gauche. Oh ouais, il y a des crânes et tout. Oh, j'ai trouvé un pied de biche. Oh, trop bien, ça va permettre d'ouvrir. Attends. Ça va? Oh, bien joué. Merci. Le jumper a trouvé un pied de biche. Okay. Trouvé un pied de biche, tout à la fin du labyrinthe. On va pouvoir sortir. Je pense aussi, Overspace. Ok. Ah, oh, trop bien. Bien joué, Field Jumper. Reviens et essaye ça. Ça roule. Field Jumper, tu es vraiment trop fort. Je vais m'abonner à ta chaîne YouTube. C'est cool. Attends, attends, j'arrive. Je vais essayer d'ouvrir cette plaque. Utilise toute la puissance. Bon, allez, on essaye. Mais arrêtez. J'essaye d'ouvrir. Ça va. Allez, tirez. Ok. Allez. Pas. Ah, c'est bon, j'essaye. Vas-y. C'est bon. Ça va. Oh. J'ai ouvert. Oh, tu as mis. Faites attention à pas tomber, hein. Je pense que c'est la sortie qui parlait justement dans les sur les notes. Oui, dans le journal. Allez, dépêchons-nous. Il faut qu'on traverse ça le plus rapidement possible. Ça roule. J'aime pas trop ça. Comme un mauvais pressentiment. Oh. Ça s'est effondré derrière nous. Non, il y a des gens qui sont tombés. Les Jedi nous suivent, elles ont pété la trappe. Mais quoi? Elles ont pété la trappe, on a 35 secondes. T'es où? Je suis à la fin, je crois. Comment ça se fait? J'ai glissé pendant la... Ah, donc t'es... ah, t'es mort, donc tu t'es ressuscité. Oh, ok, bien joué. Il y a eu déjà un mort, il y a eu deux morts. Non, les autres sont tous tombés. Oh mon dieu. Ils ont pas réussi à s'en sortir. T'entends ça, ils ont pas réussi. Non. Elles ont pas réussi à nous suivre. Les pilotes aussi, ils vont pas y arriver. En même temps, tant mieux. Restez, restez. On peut pas grimper là? Non, on peut pas encore. Ok, on est plus de 3 survivants, bien joué. Avec le pilote, on est 4. Ok. Où est-ce qu'on va maintenant? Ah, au-dessus, je pense. Ok. Faut absolument contrôler le Mantello. Je pense pas que nous avons le temps d'essayer. Quoi? Il est encore là, lui, il était pas mort. Oh, oh. Elles ont pris le tunnel. Aidez-nous à sortir d'ici, vous entendez? On est coincés. Sortez-nous là si quelqu'un nous entend. Oh, on a eu la mauvaise fin. On est coincé. Non. Tu penses que c'est parce que on n'avait pas le téléphone pour appeler de l'aide? Oh, tu crois? Oh, c'est tellement possible. Oh non. On a eu la mauvaise fin. Ok, c'est bon. Je me propose volontaire, les amis. On va essayer de récupérer le téléphone, histoire de pouvoir justement peut-être avoir la bonne fin. Ok. Bon, chauffeur de bus, t'es prêt? Je me prépare. T'inquiète, ça va le faire. Okay. Bon, ça, elles sont violentes. Hein. Moi, je suis feu sprinter, mon gars. Ok, bon, tu... Allez, souhaite-moi bonne chance, Overspace. Souhaite-moi bonne chance, les amis. Regardez, il est là-bas, il s'en va. Suis le FJ. Ok, bon, ça doit être dans le bus, alors, non? Il a dit qu'il avait fait tomber à côté. Ok, y'a pas d'abeille. Oh, y'a un truc au sol. C'est le téléphone. Oh, GG. Je l'ai. Ah, attention, elles sont là. Ah, elles arrivent très vite. Mais sortez-les en dehors de la porte. Oh, attirez-les dans la cave. Je les attire. J'arrive, bien joué, Overspace. Je te vois faire des allers-retours en bas, tu gères. Yes, j'arrive avec le téléphone. Je suis bon. Je suis rentré, c'est bon. Oh, bien joué. Mais j'ai eu la clé de la porte du coup. J'ai une clé énorme. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais what? Ok, bien joué, Philo Jumper. Oh, tu peux mettre ça sur le chargeur. Ah,
Vous avez un chargeur, d'accord. C'est un Roblox, un iRoblox call, un iRoblox phone. Je vais pouvoir appeler l'école une fois que le téléphone sera chargé. Ok, ça roule. Essayez de trouver la clé de la chambre. Ok, très bien. Et là, donc du coup, d'accord. Et là, on revient en fait où on en était. Ok, très bien ça. Donc peut-être ça va changer les trucs, genre après quand on sera dans la cave. Vas-y, on est parti, on va se passer, bon les amis, on a rouvert la trappe. Sauf que cette fois-ci, j'ai le téléphone, il est chargé. Regardez, et aussi également la grosse clé. Peut-être on va pouvoir grimper sur la clé en la plantant dans le mur. Mais bien sûr, tout à fait, c'était... Ou alors on va même mettre le téléphone dans la serrure et tourner et on ouvrira la porte. Attention. Oh, j'arrive. Oh là 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 là. J'arrive tellement vite, mec. Il y en a tellement. Ok, dépêchez-vous. Mais... Oh non, je suis nul en parcours, tu peux le faire, Naruto. Naruto qui est nul en parcours. Ça m'étonne, donc... Mec, faut pas que je meure. Non. Parce que j'ai la clé et le téléphone. C'est toi qui as tout le stuff. En fait, le problème, c'est que quand tu marches sur les plaques, tu les fais bouger. C'est bon. Oh, j'y suis. Oh, montez sur la... Là-dessus, c'est bon. Y'a plus que nous deux, mec. Quoi? Tout le monde est mort. Il ne reste que les meilleurs. Ok. J'ai le téléphone. Oh, viens, on peut aller sur TikTok. Bonjour, je voudrais... s'il plaît, une ouverture, merci. Ok, alors là, ça va se passer comment? Oh, c'est ouvert. Y'a quelqu'un en haut. Oh, énorme. Oh, il nous a mis une échelle, du coup. Allez, les gars, en bas, dépêchez-vous de monter. Vas-y, monte. Je monte. Interact. Oh. C'est mon cousin. Il a la chemise à carreaux rouge. On dirait Fujo Jumper 005. Ouais. C'est quoi cette... Non, mais cette plaque est énorme, hein. Ok. Ok, très bien. Ok. Heureusement qu'il nous a sauvés. Ils vont arriver. Le pouvoir de Roblox, donnez-moi plus de force. Le pouvoir de l'amitié. Waouh, tout va bien. Waouh, c'est super intense pour être cousin. Ah bah il est là le chauffeur. Ouais, je pense que tout le monde est revenu en vie, hein. Je les ai tous protégés. C'est ça que t'as besoin, c'est ça. Quel énorme menteur. Regarde. Et tu veux vraiment certain que tu as absolument tous les étudiants que tu as dans ton bus? Ouais. Ouais, bah j'en ai compté deux. J'ai que deux doigts. Waouh, c'est incroyable. C'est incroyable, tu n'as perdu aucun étudiant. Non, je vais te faire savoir à tout le monde que tu es un héros. Un héros? Non, j'ai juste fait... Je suis juste le meilleur des chauffeurs au monde. Quoi? Non, mais ça va pas. Il est taré, lui. C'est peut-être lui qui... Tu peux pas lui dire à ton cousin, là, que il ment, l'autre? Il ment. Oh. Et on repart. Comme si de rien n'était. Quoi? Et aujourd'hui, on abandonne tout le monde? Mais non. Et là, on a obtenu la bonne feuille. Et dire qu'il y a une fin secrète. Je me demande ce qu'est la fin secrète. Peut-être qu'on a des infos justement sur les origines de Jenna. Je ne sais pas parce qu'il y a quand même une deuxième partie qui sortira. Exactement. Donc peut-être qu'on saura tout ça. Oula monsieur, vous avez un problème de lunettes? La prochaine fois. Et bien écoutez les amis, on espère que... Mais ce gars là il a depuis les deux stories qu'on a refait deux fois, hein. Il est assis sur le banc, hein. Il attend un pote, hein, qui n'est jamais venu. On espère les amis que cette story Jenna Story vous êtes extrêmement plu. Si c'est le cas, connaissez, vous allez dire ça, un maximum de likes. Oh, cette histoire tellement creepy. J'ai tellement hâte de savoir la suite, en tout cas. N'oubliez pas, bien sûr, les amis, d'aller voir les deux points de vue de vous abonner aux deux chiens. En tout cas, merci à tous. Il fait peur, le monsieur, dans le tunnel. Mais c'était Jumper en first place, et on se dit du coup à très bientôt. Ciao, les amis.